Juste écouter le bruit de l'eau le matin. Bonjour mes petits camarades. Nous sommes le mardi 17 août 2021 et aujourd'hui c'est l'anniversaire, le 6e anniversaire de ma petite fille Chloé. Voilà, je lui souhaite un bon anniversaire avec tout l'amour de son papy. Je t'embrasse ma Chloé chérie. Voilà, donc je suis parti dans les bois de bonne heure parce que j'aime bien, bien tranquillement. Et puis j'ai emmené le casse-croûte hein, évidemment. Hein. Donc on verra ce qu'il en est, on va passer une bonne journée, ça c'est certain, parce que moi je ne suis bien que dehors. Et puis pour l'instant il pleut pas, le temps est menaçant, mais il pleut pas. Donc profitons-en. Et même au cas où, ça ne m'empêcherait pas d'en profiter aussi. Voilà. Regardez comme c'est beau tout ça. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Voilà, ça grimpe pas mal. Et puis je progresse en parallèle de ce petit ruisseau des bois. Il fait un bien joli petit bruit. Ce qui me fait dire que la vie est bien belle, hein. Eh bien, on va éplucher les patates. Donc ce midi, c'est des œufs durs, des pommes de terre cuites que j'ai fait rissoler dans du beurre salé avec une échalote. Sel, poivre, les petits copains là-dessus, et puis le tour sera joué. Hein. Voilà, voilà. Et puis le tour sera joué. Bon, la petite échalote maintenant, j'ai remis la veste parce que il fait plus là, surtout que j'ai marché pendant 2 heures. Donc j'ai le dos mouillé, j'ai remis la veste quand même. Hein. Bon voilà, côté cuisine, qu'est-ce que ça dit hein. Je me suis fait un ragoût de pommes de terre, échalote, un peu de fond de sauce, et puis voilà, hein, sur mon camping gaz. Voilà. Voilà, j'ai couvert pour que ça soit bien chaud et que ça prenne bien le goût du fond de viande et des échalotes. Hein. Bon, on va voir ce qui se passe côté gamelle. Là-bas, ça chante doucement, je vous dis pas. Je viens d'enlever le couvercle, je vous dis pas l'odeur. C'est quelque chose. Hein. Bon, pendant que ça continue de cuire, on va déjà manger mes petits œufs durs. Mes petits œufs durs. Bien, voilà. Un peu la merde à éplucher ces merdes là, mais bon. Allez, un peu de sel là dessus hein. Mmh. Un bon morceau de pain. Allons voir où ça en est. Allez. Et ça commence à prendre une belle couleur. Oh, je te dis pour la santé, nom de Dieu, toi. C'est quelque chose. Hein. Voilà, voilà la galetouze, les copains. Et tiens, un petit morceau de pain là-dessus. Des bonnes pommes de terre, des bonnes patates. Des bonnes patates et échalotes. Oh, quelle senteur. Ouais. Un peu chaud.
normal, hein, ça fait du feu. Eh bien, je suis très bien. Dans ma cabane des bois. Et puis, c'est tout. Eh bien, mon vieux, je me suis régalé avec ces patates. Alors là, j'ai un bon bout de fromage. J'en avais pris plusieurs chez mes amis Séverine et Christophe Fouquet d'Opi de la Veuille. Et bon, je l'ai emmené dans mon sac, heureusement que je l'avais enfermé dans une boîte parce qu'il faut être le copain, mais alors il est bon parce qu'ils ont des fromages de petits producteurs. De petits producteurs fermiers comme ça. C'est magnifique. Moi, ça, le fromage, j'adore ça. Voilà, voilà. Eh oui, ça pue un peu des pieds comme des loutres, mais bon. Quand ça fouette comme ça, c'est pas forcément fort. Et c'est très bon. Alors j'ai repris un bout de miche de pain. Très bien. Et ben ce fromagie là, c'était quelque chose. Bon, on va attaquer la pomme maintenant. Hein. Une bonne pomme fromage. Pomme. Ça, c'est mes racines normandes, du côté de mon père. J'étais parisien de naissance, mais bon. Une maman normande. Bon, fromage et pommes, ça oui j'aime bien. Et bien, voilà, voilà. C'est bon un fruit. Vous voyez que le repas est équilibré. Bon, c'est vrai que je mange pas de viande parce que ça coûte cher. Mais des œufs, il y a des protéines là-dedans. Deux œufs égale un bifteck, on dit. Un petit bout de pain avec la pomme, c'est bon. Hein. Pour bien le finir.